Les Antilles émergent de l'eau à l'ouest de l'océan Atlantique. Dans un beau mouvement d'ensemble, les petites Antilles s'alignent comme les perles d'un collier, dont la Guadeloupe serait le gros pendentif. Un bijou magnifique, taillé dans l'azur, en forme d'aile de papillon sertie de trois petits diamants, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. Les deux parties de l'île opposent leurs profils. La Grande Terre est plane et peu élevée. La Basse Terre est escarpée et dominée par le volcan de la Soufrière, qui culmine à près de 1500 mètres au-dessus des îlets qui affleurent sur la mer. Venus d'Amazonie, les Indiens Arawak et Caraïbes furent les dernières vagues du peuplement indigène commencées en Guadeloupe plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Après la colonisation espagnole et la période de l'esclavage, abolie par la France au XIXe siècle, la Guadeloupe se rangera sous le drapeau tricolore dans les épreuves, mais également dans ses institutions, sa culture et ses infrastructures. La Guadeloupe est à la fois une région et un département, un petit morceau d'Europe sous les tropiques. La croissance du parc immobilier correspond aux besoins d'une population jeune, aux origines ethniques multiples. 50% environ des Guadeloupéens ont moins de 25 ans. Imprégnée de culture créole, la religion catholique se double en Guadeloupe de superstitions tenaces. La végétation tropicale offre un refuge idéal aux esprits, même si les cyclones les chahutent parfois. La faune ne comporte pas d'animaux indésirables, et le plongeon dans la nature est ici sans risque. Il mène souvent à une beauté brute que l'ouverture au tourisme et le développement n'ont pas encore compromise. Le respect du patrimoine culturel est le garant d'une certaine authenticité. Avec le tourisme, la canne à sucre et la banane sont les têtes de pont de l'économie guadeloupéenne, dynamisée aujourd'hui par les nouvelles technologies. Le soutien précieux de la métropole facilite beaucoup de choses, et notamment les communications grâce à l'aéroport Pôle Caraïbes, le premier des dom-tom au nombre de passagers, à proximité immédiate de Pointe-à-Pitre. Zouk Radio, et maintenant, chantez, radio. Au creux d'une baie bien abritée, le port autonome de la Guadeloupe est accessible à des navires de fort tirant d'eau, quel que soit le vent ou la marée. Les croisières touristiques, entre autres, ont stimulé le trafic portuaire. La marina de Bas-du-Fort, capable d'accueillir un millier de bateaux de plaisance, s'est fait un renom comme port d'arrivée de la fameuse route du Rhum, qui réunit tous les 4 ans les meilleurs navigateurs solitaires. Pointe-à-Pitre doit tout à son port. À la fin du XVIIIe siècle, la ville s'appela d'ailleurs un temps port de la liberté. Au petit matin, le front de mer s'agite. Les pêcheurs exposent leurs prises. Dans la vieille ville sur la place de la Victoire, on rend hommage à Félix Éboué, le premier noir nommé gouverneur de la Guadeloupe pendant le Front populaire. L'île deviendra un département avec une sous-préfecture installée dans une ancienne caserne en 1946. Plusieurs maisons créoles ont survécu à la modernisation de la ville. Elles sont dotées d'un balcon ouvragé. Certains édifices utilisent le métal comme support. Exemple, le musée consacré au poète Saint John Perse, un enfant du pays. Les mêmes structures métalliques ont permis à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de résister aux cyclones. Entre le cœur historique et la nouvelle ville, le centre des arts et de la culture témoigne de la vitalité de Pointe-à-Pitre, une cité dont les rues rectilignes suivent le plan en damier. Avec la périphérie, la ville rassemble à peu près le tiers de la population de l'île, dont elle est la capitale économique. Une halle à structure métallique protège le marché Saint-Antoine, qui déborde largement de son périmètre en raison de la profusion des fruits et des légumes. Ça, c'est le coup au sol, on coupe comme ça, en deux, et on mange à la bouche.
C'est blanche à l'intérieur. Ça, c'est les petites bananes sucres. Sucrées ou non, tous ces fruits et légumes ne sont pas grand-chose sans le savoir-faire des Guadeloupéennes, qui veillent jalousement à leurs secrets et à cet art subtil de relever le goût. Au rayon épices, le répertoire de Léon Plancy semble illimité. Il y a tous les épices de la Guadeloupe, il y a les épices qu'on peut trouver, il y a la moutarde, il y a fenouil, girofle, coriandre, safran, il y a aussi... Les préparations recèlent souvent des vertus curatives. En Guadeloupe, la nature donne des forces. Il y a le bois bandé, c'est un bois qu'on trouve dans la forêt tropicale de Guadeloupe. Et c'est aphrodisiaque. C'est du rhum, il y a du gingembre, il y a de la cannelle, de l'anis, et beaucoup de choses qui réchauffent. Oui, attention aux forces de la nature, c'est une question de dosage. Mais la plupart des produits sont inoffensifs. Ça, c'est du cacao pour préparer un bon chocolat chaud. Alors, je vous attends là. La tenue bariolée des femmes élégantes emprunte à l'Europe, à l'Afrique et à l'Asie. À la sortie des églises, fête des cuisinières ou pas, la robe chamarrée a longtemps été portée pour échapper aux conditions de l'esclavage. Elle trouve son origine dans une loi qui autorisait les esclaves à améliorer un peu leur existence. Ceux-ci échangeaient quelques maigres produits de la terre contre des tissus multicolores. Début août, la fête des cuisinières expose et promène dans la liesse populaire les plats classiques de la cuisine antillaise. C'est l'occasion pour les meilleurs cordons bleus de l'île d'exprimer leur talent et leur goût. Avec les cuisinières, donc apprécier les délicieux mets qu'elles nous ont préparés en cette occasion de leur 85e anniversaire. La fête se termine par des agapes mémorables qui comblent les appétits et laissent les cœurs légers. La Grande Terre forme la moitié est de l'île. Bien qu'elle soit moins étendue que sa voisine, elle doit son nom à l'absence de haut relief et donc d'obstacles naturels au regard. Les deux parties de la Guadeloupe sont séparées par un étroit bras de mer, la rivière Salée. Dans l'eau saumâtre, les plantes halophiles, c'est-à-dire qui supportent le sel, composent la mangrove, un dense réseau végétal où une importante colonie de hérons a élu domicile. Cap au Nord, vers une des merveilles naturelles de la Guadeloupe, classée par l'UNESCO dans les réserves mondiales de la biosphère, le grand cul-de-sac marin. Fermée par le plus long récif corallien des Petites Antilles, cette vaste baie englobe des îles minuscules, comme l'île Fajou, et des zones inondées peu profondes qui constituent un véritable sanctuaire écologique. Cette réserve, créée en 1987, bénéficie d'une surveillance constante. Mais la pire des menaces reste sans doute la croissance urbaine. Les filets des pêcheurs de Port-Louis sont bien sûr interdits dans la réserve, à la grande joie des pélicans. À hauteur de Port-Louis, la côte échappe à la violence de l'Atlantique. La plage de Lance du Souffleur a tout pour rassurer les mères de famille. Elles peuvent donc en toute quiétude s'appliquer à la préparation de sorbets au sirop de mangue. En quittant Port-Louis, toujours vers le nord, les fonds marins du littoral plongent à une plus grande profondeur. Les vagues viennent se briser plus près du rivage en offrant, comme à Lance Bertrand,
quelques beaux spots aux surfeurs. Au nord, la Grande Terre laisse apparaître la principale caractéristique de son aspect. Un vaste plateau calcaire qui étire ses limites à la pointe de la Grande Vigie. Les origines volcaniques de la Grande Terre sont anciennes. L'érosion a nivelé la surface en tolérant ici et là quelques monticules qui dépassent tout juste 150 mètres de hauteur. Sur la côte atlantique, la localité du Moule doit son nom à un môle qui protégeait le port de la fougue de l'océan. En débarquant dans cette paisible bourgade, on peine à imaginer qu'elle fut construite avant Pointe-à-Pitre à la fin du XVIIe siècle. L'église en pierre de taille imite l'architecture classique, malgré son clocher reconstruit, avec un style rappelant celui de la mairie. Sous des abords décontractés, la localité a souvent payé un lourd tribut aux virulents cyclones tropicaux. Le musée Edgar Clair se consacre notamment aux vestiges précolombiens de la Guadeloupe. L'histoire de plusieurs civilisations amérindiennes successives, celle des Taïnos, des Caraïbes, ou de leurs prédécesseurs, les Arawaks, s'illustrent ici de documents archéologiques majeurs. Sur la côte, un monument rappelle le souvenir des Arawaks exterminés par les Caraïbes. Le Moule est un lieu d'action idéal pour les véliplanchistes expérimentés. En remontant la rivière d'Audouin, on découvre un paysage façonné depuis le XVIIe siècle par la canne à sucre. On ignore comment la plante s'est introduite aux Antilles, mais c'était avant l'arrivée des Espagnols. La sucrerie Gardel figure parmi les deux dernières usines sucrières de Guadeloupe. On en comptait près de 300 au XVIIIe siècle, qui travaillaient avec des moyens beaucoup plus rustiques. La récolte doit se faire rapidement, car la canne à sucre perd vite ses propriétés. La production se déroule pendant les 6 premiers mois de l'année. Lavée et coupée en morceaux, la canne est écrasée. Les résidus de canne écrasée, la bagasse, sont récupérés et réutilisés. Éric Bourillon. Il y a plusieurs décennies, on savait déjà faire du sucre. Maintenant, le matériel est plus performant et est plus automatisé. Donc, on retrouve encore côte à côte des matériels relativement anciens comme les moulins qui n'ont pas très évolué. Hein. Ils ont atteint leur capacité nominale. Par contre, la cuisson, la surveillance de la cuisson est automatisée maintenant. Surprise ! En Guadeloupe, la canne produit non seulement du sucre, mais aussi de l'électricité. Donc en 98, la compagnie thermique du Moule s'est établie à côté de la Gardel et fonctionne en tandem, c'est-à-dire qu'elle est mixte, elle peut produire de l'énergie à partir du charbon et de la bagasse. Lorsque la sucrerie Gardel arrête la production au mois de juin, les petits planteurs de canne à sucre peuvent en faire du rhum en confiant leur récolte à la dernière distillerie de la Grande Terre. Depuis longtemps, le vent a tourné, l'activité régresse et les volets le plus souvent sont clos dans les grandes maisons qui dominaient jadis les immenses plantations. Vers l'est, la Grande Terre avance un ergo rocheux jusqu'à la pointe des Châteaux qui s'enfonce de 10 km dans les flancs de l'océan. L'endroit est spectaculaire, mais les forts courants rendent la baignade parfois dangereuse en dépit des apparences. Sans répit,
l'Atlantique s'acharne à ronger les rochers calcaires pour les séparer du reste de la péninsule. À l'horizon, l'île de la Désirade semble s'éloigner à la dérive. En rebroussant chemin pour suivre la côte sud, on rencontre Saint-François, une localité tournée vers les loisirs et les sports nautiques. Les pêcheurs de Saint-François sont réputés. Ils fournissent à eux seuls une part importante du poisson guadeloupéen. Mais depuis plusieurs années, beaucoup d'entre eux ont renoncé à cette activité traditionnelle pour se tourner vers des secteurs plus porteurs. Malgré son appellation, la plage des Raisins Clairs ne comporte aucun vignoble. Elle doit son nom aux résiniers qui y poussent et ses plus belles couleurs aux flamboyants. On joue au golf à Saint-François sur un très beau 18 trous au parcours soigné, dont l'entretien sous cette latitude est déjà en soi une performance. Donc c'est un parcours dessiné par un architecte américain qui s'appelle Robert Trent Jones, qui est très connu dans la conception des parcours de golf. C'est un golf qui est tracé sur 54 hectares. Donc c'est quand même un parcours assez, on va dire, assez sélectif. L'approche est compliquée par les vents tournants, de côté, de face ou dans le dos selon les endroits. Mais pour ceux qui doivent chercher leur balle dans l'eau, le vent peut être un précieux allié. Le calme de Saint-François est chaque année rompu par le calendrier de la liturgie catholique. Quelques jours avant le début du carême, la folie du carnaval s'empare de la bourgade et de l'île tout entière. Petits et grands, riches et pauvres, inversent les rôles pour rire, comme les esclaves étaient autorisés à le faire l'espace d'un court sursis. Dans les rondes endiablées, le passé et le présent se fondent. Les barrières sociales s'estompent. Au milieu de la côte sud de la Grande Terre, la localité de Sainte-Anne reçoit, hiver comme été, les vents alizés de l'Atlantique. Ce sont eux qui, avec régularité, ébouriffent les cocotiers et poussent les embarcations vers les rivages. Pour s'y opposer, il faut pagayer. L'artisanat local se porte bien. Sainte-Anne lui a même dédié un village spécialisé où les créations les plus variées vendent la région et ses principaux matériaux. Parmi ceux-ci, les fibres et les feuilles des palmiers tiennent le haut du panier. En s'éloignant de Sainte-Anne, si l'on se dirige à l'intérieur des terres, on pénètre dans les grands fonds. Le paysage change radicalement. Le plateau calcaire accuse ici l'érosion de la pluie qui a isolé une multitude de collines et arrosé d'innombrables vallées verdoyantes. La terre fertile s'est accumulée sur les versants et dans les fonds, en favorisant la végétation. L'habitat s'est installé sur les crêtes pour échapper à cette marée verte agencée, dirait-on, par l'arbre du voyageur. Bien présent lui aussi, l'arbre à pin, mais bien plus rare, le baobab, qui ne se rencontre en principe qu'en Afrique. Le premier plan a probablement fait le voyage sur un bateau chargé d'esclaves. Ça, c'est le fruit du baobab. Et là, avec les petites boules, toutes, c'est la fleur. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, ma belle-sœur qui est bretonne appelle ça pain de singe.
Dans les grands fonds survit la tradition des combats de coq, organisés par catégorie de poids. Harry, Anna. Le matin, on passe à la balance. Alors, on le marie avec un qui est de même poids. Lui, il a fait 3-11. Alors, on devait le marier avec un 3-11. L'arène où se déroule le combat s'appelle un pit, un terme qui viendrait de l'anglais cockpit. Les enjeux sont parfois considérables. Ah, mais s'il gagne, je gagne de l'argent. S'il perd, je perds de l'argent. Les coqs sont équipés d'un redoutable ergot. Les protagonistes sont pressés d'en découdre, excités par les cris des parieurs rassemblés autour de l'arène. Les champions se volent alors dans les plumes pour un duel sans merci. Le régime alimentaire et l'entraînement qu'ils ont suivi sont tenus secrets par leur coach, très présent pendant l'affrontement. Les combats de coqs auraient été introduits aux Antilles par les conquistadors espagnols. Ils sont interdits par la loi, en principe. Au centre de la Grande Terre, à l'entrée de Mornalo, un cimetière habille les tombeaux de céramique avec des carreaux noirs et blancs. En damier ou en bande parallèle, les ornements ne répondent à aucune directive architecturale, mais à une simple démarche collective. Comme si on avait voulu mettre les défunts sur un pied d'égalité. Mais les immanquables références au jeu de dames ou au domino font ici à la mort un souriant clin d'œil. En venant de la mer, les esclaves étaient acheminés par un petit canal vers la localité du même nom où ils étaient vendus. 9 habitants sur 10 étaient ici des esclaves affectés à la cinquantaine d'entreprises sucrières que comptait la région au début du 19e siècle. Chapeautée d'un tambour traditionnel, une stèle a été élevée à la mémoire de l'esclave inconnu. La canne à sucre exigeait beaucoup de main-d'œuvre, aujourd'hui remplacée par les machines. Pour M. Omer Karupana, il n'y a pas de comparaison. Avec la machine, on a beaucoup plus de rendement. On a aussi, on coupe les cannes fraîches et on les vend fraîches. Avec la mécanisation de la récolte, on a renoncé au brûlage des champs. L'opération avait l'avantage d'éliminer les parties sèches de la plante et les insectes, dont les hérons se régalaient. Après un tour complet de la Grande Terre, le phare dressé sur l'îlet du Gosier balise l'entrée du port de Pointe-à-Pitre, dont l'accès est contrarié par la présence de nombreux récifs coralliens. L'isolement est un atout pour l'îlet, qui réunit tous les attraits d'une île déserte, même s'il se trouve à quelques encablures seulement de la localité de Gosier. À l'origine du nom, un gosier bien en pente, celui du pélican brun. Sur la côte, la commune du Gosier montre le développement des infrastructures hôtelières en Guadeloupe. À la fin du siècle dernier, le nombre de chambres a été augmenté de 50%, ce qui contribue largement à faire tourner l'un des moteurs de l'économie de l'île, le tourisme. Un moteur qui fonctionne principalement à l'énergie solaire. Au Gosier, les infrastructures se diversifient. Exemple, l'Aquarium de la Guadeloupe, un établissement dont la vocation pédagogique ne cesse de s'affirmer autour d'un biotope presque entièrement reconstitué. Philippe Godoc, directeur. La grande particularité de l'Aquarium de la Guadeloupe, c'est que d'abord, c'est le seul aquarium des Antilles françaises et qui présente toute la faune de la Caraïbe, principalement la faune récifale, puisque, comme vous le savez, nous avons la chance d'être très riches en termes de barrière de corail et de toute la faune qui est inféodée à la barrière de corail. L'aquarium de la Guadeloupe
joue aussi le rôle précieux d'une clinique aux bons soins d'une population menacée. L'aquarium est un centre de protection des tortues marines et a été choisi par la DIREN comme étant un centre de soins des tortues marines, c'est-à-dire que nous récupérons toutes les tortues pêchées illégalement puisque ce sont des animaux protégés ou blessés, et nous les soignons, nous les baguons et elles sont ensuite relâchées. Dominant les flots, le fort Fleur d'Épée s'inscrit dans un dispositif défensif aménagé à tour de rôle par les Français et les Anglais au XVIIIe siècle. L'ensemble porte la griffe de Vauban, commissaire des fortifications sous Louis XIV. Des expositions sont organisées dans un bâtiment reconstitué d'après les plans d'une ancienne casemate en bois. Du sommet s'ouvre la baie du Petit Cul-de-Sac Marin. Aux couleurs locales, l'artisanat répond en déployant une large palette de formes et de matériaux. Dans le village de Gosier, l'âme guadeloupéenne est contenue au creux du tambour K. Alors que le djembé africain exploite un tronc évidé, le K est assemblé en lattes de bois couvertes de peaux de chèvre, mâle ou femelle, pour produire un son grave ou aigu. Claudius Barbin. Alors en fait, l'instrument s'appelle le K. Et la musique qui est jouée avec, c'est le goka. Alors l'instrument, le K, en fait, il est typique Guadeloupe, en fait. Longtemps interdit, le K peut exprimer en rythme des sentiments très contradictoires. Il y a un rythme qui va signifier la tristesse, un autre qui va signifier la joie, un autre qui va signifier la rébellion. En fait, chaque rythme aura une signification forte dans la vie du peuple guadeloupéen. De temps à autre, des représentations mettent la musique traditionnelle à la portée de tous, même ceux qui ignorent qu'elle fut pour les esclaves le premier moyen de communiquer, la première voie vers la liberté. L'autre moitié de la Guadeloupe, la basse terre, se distingue de sa voisine à de nombreux égards. Les superficies ne sont pas très différentes. En revanche, les communications sont moins faciles en raison des reliefs. Ces mêmes reliefs arrêtent les nuages qui inondent la région et favorisent la végétation. L'île possède des origines volcaniques récentes et le sable des plages est souvent marqué de nuances foncées. Le sol fertile et les plus abondantes ont favorisé l'implantation du bananier qui à 80% est composé d'eau et qui en consomme énormément. D'un point de vue botanique, le bananier n'est pas un arbre, c'est une herbe géante. Autour de la tige, le régime est protégé pendant sa croissance. On cueille la banane quand elle est encore verte. Conservée à une certaine température, le fruit n'évolue pas pendant le transport et il atteint sa maturité sur le lieu de consommation. La banane représente environ le quart des exportations agricoles de la Guadeloupe, mais la rentabilité est aléatoire. Gérard Babé. Si on a une belle banane, bien dans les normes, avec la qualité gustative qu'on a, elle peut être vendue. Et même si, je veux dire, on subit la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que le plus souvent dans l'année, on vend en dessous de notre prix de revient, mais il y a une compensation de subventions qui nous permet de rattraper. Les subventions sont nécessaires si l'on veut maintenir une activité qui assure une bonne partie des emplois dans les campagnes depuis le déclin de la canne à sucre. Le domaine de Vallombreuse donne une idée de l'abondance végétale en Guadeloupe, où l'on rencontre une espèce de plante à fleurs par kilomètre carré. En Europe, on compte une espèce pour 200 kilomètres carrés. Anthuriums et fleurs exotiques rivalisent en couleurs éclatantes avec les oiseaux d'une exceptionnelle diversité. En
En suivant la côte de la Basse-Terre dans le sens des aiguilles d'une montre, Capesterre-Belle-Eau apparaît au sud-est. À la fin du deuxième voyage qu'il effectua aux Antilles en 1493, Christophe Colomb accosta ici, persuadé qu'il était aux Indes. L'histoire finira presque par lui donner raison puisqu'une importante communauté indienne s'est installée en Guadeloupe où le panthéon hindouiste reçoit les hommages des fidèles. À la sortie de Capesterre, la route est bordée par deux doubles rangées de palmiers royaux qui menaient jadis au domaine d'un aristocrate. Plus loin, dans un sous-bois clairsemé, presque dissimulé par les débris végétaux, apparaissent des sépultures anonymes orientées vers l'Afrique et délimitées par des coquilles de lambis. Plusieurs dizaines d'esclaves sont inhumés dans ce cimetière. Créée à la fin du 19e siècle près de Grand Café, la distillerie Longueteau est la plus ancienne encore en activité en Guadeloupe. Elle a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Guadeloupe était partagée en plusieurs marquisats, plusieurs comtés, plusieurs duchés. Et tout le domaine ici, c'était donc le domaine du marquisat de Sainte-Marie. Maintenant, au 19e siècle, il y a eu la crise sucrière à cause de la betterave en métropole, puisque la betterave a été implantée en métropole par Napoléon, en quelque sorte. Et le fait que la métropole se mette à faire du sucre de betterave, quand nous, on a voulu revendre notre sucre sous la métropole, ils nous ont dit « Ok, mais il faut baisser les prix ». Alors baisser les prix, ça veut dire que beaucoup d'entreprises qui faisaient du sucre ou qui faisaient de la canne ont fait faillite. Donc toutes les petites sucrottes qui existaient en Guadeloupe, soit elles ont fermé, soit elles se sont regroupées pour former les grosses unités sucrières, soit tout simplement elles se sont transformées en distillerie qui faisait à l'époque le rhum habitant. Le rhum habitant qui est aujourd'hui le rhum agricole. Donc le rhum fait à partir de pur jus de canne à sucre. Les cultures de la côte est de la Basse-Terre bénéficient d'une situation privilégiée. Elles reçoivent en effet un maximum de pluie grâce à l'orientation dite « au vent » du littoral. Cette situation favorable explique sans doute le développement rapide de Trois-Rivières, un des tout premiers lieux habités de l'île. Les colons européens étaient présents ici dès le milieu du XVIIe siècle, mais les traces d'un peuplement beaucoup plus ancien ont été relevées. Au milieu d'une végétation expansive, quelques gros rochers volcaniques témoignent d'une présence amérindienne dans la région 4 ou 5 siècles après Jésus-Christ. Le parc archéologique des Roches Gravées rassemble des pièces inestimables que les spécialistes attribuent aux Arawaks. Au loin, derrière les surfeurs aux prises avec les rouleaux de l'Atlantique, l'archipel des Saintes fait partie du décor de la plage de la Grande Anse, à l'extrémité sud de l'île. Près de Vieux-Fort, le centre de broderie et des arts textiles entretient la tradition de la broderie jour. On pratique ici des jours, c'est-à-dire des ouvertures décoratives, en tirant sur les fils du tissu. Maryse Bourgeois anime le centre. Oh, c'est vraiment un beau passe-temps, ça détend. Ah oui, moi je l'ai fait depuis l'âge de 8 ans et je continue parce que moi c'est une passion. Parfois, la brodeuse perd le fil de son idée et en suit une autre. Alors ce motif, c'est une des brodeuses en voulant réaliser autre chose que ce que vous avez maintenant, a raté et a donné le jour nouveau. Un jour nouveau, un heureux hasard pour la broderie de l'île. Oui, pour les métiers d'art, pour les traditions vivantes de la Guadeloupe, c'est continuellement un nouveau jour qui se lève. Une fois passée la pointe du Vieux-Fort, la côte remonte en angle droit vers le nord. Au flot tumultueux de l'Atlantique succède en douceur la mer des Caraïbes. La côte désormais toise les villes comme celle de Basse-Terre, qui semble dévaler la montagne. Le fort d'Elgré interrompt la descente vers la mer grâce à ses murailles en étoiles chères à Vauban,
qui tranche avec l'agencement perpendiculaire de la cité. L'État français a installé le siège des institutions de la République à Basse-Terre. Raides et distants, les bâtiments officiels n'ont qu'un très lointain rapport avec l'architecture créole et la bonhomie des administrés. Basse-Terre a toujours été une rivale pour Pointe-à-Pitre. La côte, dite sous le vent, est boudée par les vents de l'Atlantique et leurs nuages. La terre, plus sèche, supporte aussi le ruissellement des eaux qui descendent de la montagne. Le long de la côte, les mouillages bien abrités ne sont pas légion. Les Français et les Anglais se disputèrent celui-ci pour ses eaux profondes. Lens, à la barque, est réputée pour son calme depuis le XVIIe siècle. À moyenne altitude, les plateaux de la côte sous le vent sont favorables à la culture d'une plante qui fit son apparition à la Guadeloupe au tout début du XVIIIe siècle, à l'initiative des Français, le café. Le cours du café local fut longtemps parmi les plus élevés du monde, car il était utilisé pour améliorer la qualité d'espèces ordinaires. Dans les plantations, la cloche rythmait la journée des esclaves, chargée d'une récolte fastidieuse où chaque baie de caféier était cueillie à la main. Les débuts du café à la Guadeloupe ont été modestes, puisque tout a commencé à partir d'un seul plant. Aujourd'hui, la production est presque symbolique. La Guadeloupe, en 1795, a exporté 4000 tonnes de café vers la métropole. Aujourd'hui, on ne produit que 1000 tonnes. Le café a été remplacé par la canne à sucre et par la banane. Ce café appartient à l'espèce Arabica. Il contient peu de caféine. L'appellation « café vert » ne doit rien à la couleur du paquet, mais au fait que le café n'est pas grillé. Malgré les aménagements du littoral, le sol volcanique est toujours recouvert de coulées de lave figées au bord de l'eau. L'activité volcanique offre différentes ressources. À Bouillante, la seule usine géothermique de France puise dans le sol la vapeur à près de 300 degrés et produit un petit pourcentage de l'électricité du département. La belle plage de Malandur et la couleur uniforme de son sable basaltique est aussi un point de départ pour la découverte sous-marine. La réserve Cousteau suscite à juste titre la curiosité du public. On peut la découvrir à quelques encablures du rivage, même si on ne veut pas s'embarrasser de matériel de plongée. Les bateaux à fond de verre immergent les visiteurs sans les mouiller. On se retrouve au cinéma dans un film en trois dimensions. Près des îlets Pigeons, la plongée traditionnelle attire beaucoup d'amateurs qui apprécient la réserve Cousteau. Il y a quelques années, dans les années 60, le commandant Cousteau est passé sur le site, a trouvé que le site était assez remarquable et il a émis le souhait qu'il soit protégé. De plus, il a tourné quelques images sur le site. Donc c'est un site qui est actuellement protégé, qui n'a pas le statut de réserve nationale, mais qui est protégé. C'est un site assez particulier qui permet de faire toutes les profondeurs, du baptême jusqu'au plongeur confirmé. 2 mètres à peine sous la surface, les coraux hébergent une faune et une flore irréelles. Vu du ciel, les îlets Pigeons sont des roches volcaniques qui ont jailli brutalement de la mer à moins d'un kilomètre des côtes. Au nord-ouest de la Basse-Terre, le paysage s'adoucit. L'altitude est en chute libre.
les reliefs s'émoussent et la côte ouvre large ses anses sablonneuses. Des haies en profitent pour s'y étendre avec volupté. Une véritable carte postale que la brise marine et un semblant de circulation automobile parviennent tout juste à animer. Toute proche, la plage de Grand'Anse vaut à elle seule le déplacement. Avec ses réserves d'eau douce en retrait, la plage était déjà fréquentée par les pirates qui en appréciaient le sable blond et l'ombre des cocotiers. Criques confidentielles ou vastes esplanades, les plages comme celle de Cluny à l'extrême nord de la Basse-Terre réclament de la vigilance, car l'eau qui les borde est souvent parcourue d'imprévisibles courants. Au-dessus de Sainte-Rose, les courants aériens favorisent le vol lourd des pélicans attirés par un poisson bien connu des pêcheurs locaux, un poisson aussi aérien qu'un oiseau, la raie, dont les ailes sont unanimement appréciées. Sainte-Rose a conservé le charme suranné de l'endroit où les tout premiers colons français ont débarqué. Malgré les difficultés, ils décidèrent d'y créer une paroisse. À la sortie de l'église, concours d'élégance endimanché. Près du rivage, de nombreux îlots rocheux abritaient jadis la retraite des pirates ou des Anglais qui pillaient la côte. La faible profondeur de l'eau indique la proximité du grand cul-de-sac marin, que l'on retrouve après un tour complet de l'île. La mangrove aussi retrouve ses droits. On se demande comment les graines de palétuvier, les arbres de la mangrove, ne pourrissent pas dans la vase. En fait, les graines ont déjà germé quand elles tombent et l'arbuste s'enracine très vite. À partir du grand cul-de-sac marin, on peut remonter le cours de la grande rivière à Goyave, la plus longue rivière de la Guadeloupe. Il faut abandonner la mangrove pour aboutir au cœur de la Basse-Terre, dans le parc national de la Guadeloupe. Le 7e parc français, par ordre chronologique de création, héberge la plus vaste forêt primaire des Petites Antilles. Cette immense forêt pluviale, gérée par l'Office national des forêts, couvre près de la moitié du territoire de la Basse-Terre. Là, on est juste à l'entrée du parc national. Et on commence à avoir la forêt tropicale, la forêt de pluie, avec ses grands arbres de 40-50 mètres et toutes les plantes épiphytes qui font une course à la lumière et qui utilisent les arbres comme des pots de fleurs pour trouver la lumière. Et la lumière s'impose. Alors ici, on est dans une des plus belles forêts tropicales qui puissent exister, hein, puisque cette forêt est classée réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. On est dans le parc national, c'est la forêt des Bains Jaunes. Et la Guadeloupe a cette chance de posséder un parc national. Et cette très très belle forêt qui offre un maximum de possibilités pour toutes les activités de pleine nature. Pour s'initier aux 300 espèces d'arbres et arbustes du site, le parc des Mamelles propose une introduction didactique. On y apprend que ce sont les insectes qui transportent le pollen
et assurent ainsi la reproduction d'une bonne partie de la flore. Les insectes sont attirés par les couleurs des fleurs. Une promenade sur la cime des arbres? Ici, c'est possible, moyennant quelques préparatifs. Oui, un réseau de passerelles a été conçu pour permettre aux visiteurs sans compétences acrobatiques particulières d'approcher la canopée, la cime des arbres, de très très près. C'est assez agréable de voir les choses d'un peu plus près, la sensation qu'on est vraiment dans les arbres. Avant les passerelles, seuls les singes auraient pu se permettre ce genre d'expédition. Mais il n'y a pas de singes en Guadeloupe. À plus de 1000 mètres d'altitude, les reliefs au centre du parc retiennent les nuages, qui alimentent des dizaines de cours d'eau. Les Indiens Caraïbes avaient baptisé la Guadeloupe Caruquera, l'île aux belles eaux. Pour Saint John Perse, l'eau était du soleil vert. Le chaos basaltique, la forte dénivelée et l'eau qui s'insinue partout procurent aux adeptes du canyoning les sensations qu'ils recherchent au contact de la nature. Le massif de la Soufrière est le point culminant des Petites Antilles. C'est aussi l'un des volcans les plus actifs de la région. Il se laisse pourtant approcher en contrebas de son cône tronqué. Voici donc Savanamulet qui est le point de départ de la randonnée qui nous mène au sommet de la Soufrière et qui va nous permettre de découvrir ce volcan. On a une journée aujourd'hui qui est fantastique avec un temps exceptionnel. On peut donc voir jusque le piton d'Olomieux, qui est la partie sommitale. On voit aussi, malheureusement, la dégradation de la végétation sur la partie supérieure due à la présence d'acide chlorhydrique dans les fumerolles. Le sol n'est plus du tout maintenu, puisqu'il n'y a plus aucune racine. Et lorsque des pluies torrentielles frappent le sommet de la Soufrière, eh bien, on a des glissements de terrain relativement importants, comme celui qui est juste en face de nous, hein, et qui a réutilisé donc ce qu'on appelle un lahar, qui est un glissement de terrain dû à une coulée volcanique. La Soufrière disparaît dans les nuages environ 350 jours par an. Mais dès qu'on descend, la vue s'éclaircit. Sur le flanc sud-est du volcan, une profonde entaille a été pratiquée par la rivière du Grand Carbet. À trois reprises, la rivière s'élance dans le vide. La deuxième chute tombe de 110 mètres dans un bassin minuscule. Christophe Colomb lui-même a été impressionné par ces chutes, qu'il a décrites dans son journal de bord avant de reprendre la mer. La civilisation n'est jamais très éloignée en Guadeloupe, et la vie quotidienne reprend vite son petit train-train. Un train-train plein d'entrain pendant le carnaval, qui voit chaque quartier, chaque association former un groupe clairement identifié. Toute la garde-robe créole défile, par goût du déguisement et du retour aux sources. Des références à l'histoire se glissent dans le défilé plus explicite des Noirs Marrons, ces esclaves révoltés qui avaient pris le maquis. La revanche anticoloniale, la défense de l'identité locale et la mémoire des populations indiennes défilent successivement en rang serré. Thank you.
le triomphe de la vie sur la mort, de la lumière sur la pénombre, emporte finalement l'adhésion de tous. La nuit touche à sa fin. Sortie de sa chrysalide, la Guadeloupe va prendre son envol de papillon créole.